Mzmor le David, Hashem roi. Et si maintenant ils se calment, ils savent que ces ouragans-là qui arrivent, c'est uniquement pour pouvoir amener après une rencontre nouvelle, puisque ces ouragans, c'est comme ces tsunamis, ou les ouragans, ils ont nettoyé et tout. Maintenant, il faut reconstruire. Alors on revient, on reconstruit. Et au moment où on fait l'effort de revenir et de reconstruire, c'est ce moment-là, c'est là où on pardonne toutes les fautes. Parce que pour entrer sous la roupa, sous le dé nuptial, il faut qu'on pardonne toutes nos fautes. Donc chaque fois qu'on fait un effort pour revenir, pour s'entendre, communiquer, se remettre en question ensemble, sans se disputer, c'est-à-dire au contraire, discuter en se remettant en terme, en remettant en cause, alors ça fait qu'Hachem pardonne toutes les fautes. Donc Purim, c'est Tshuva Me'ahava, c'est la Torah Me'ahava, c'est tellement une révélation des secrets de la Torah, que maintenant il va y avoir que de l'amour. Alors Rabbi Nachman il l'a dit maintenant, et maintenant, on haït maintenant. Maintenant, tout commence à pourrir.